Limite à
ministère public. Mais malheureusement, ce n'est pas le ministère public qui avait ordonné l'arrestation de Bisoumba. Les policiers ont agi, je ne sais pas, dans une méconnaissance de la loi, parce que à partir même de la lecture du procès-verbal, le tribunal peut se rendre compte qu'il s'agirait de chèques sans provision, voire que le chèque n'ait pas été représenté ici, ok? Donc il s'agirait de chèques que le prévenu a émis, et ce chèque-là, okay, je ne sais pas si ils ont été échangés ou si ils n'ont pas été échangés, parce qu'ils n'ont jamais expliqué la raison pour laquelle ils ont procédé à l'arrestation de notre client. Et bien automatiquement, que les avocats se sont présentés et on a pu constater qu'il n'y a pas eu de délit, de crime, ni de quelconque extraction. Et d'ailleurs, honorable magistrat, vous avez déjà siégé dans d'autres sessions. Vous savez parfaitement bien que lors même qu'il y aurait eu chèque sans provision, le code du commerce trace la procédure à suivre. Il doit y avoir un procès. Pourquoi? Parce que en France, depuis 1940, il y a eu ce qu'on appelle la dépénalisation des chèques sans provision, etc. Et magistrat, en Haïti également, c'est la même procédure. C'est pour cette raison, honorable magistrat, il y a normalement une phase préalable qui aurait dû être respectée, à savoir faire un procès, dresser un procès et faire la dénonciation du côté en signifiant à la partie qui a émis ou la personne qui a émis le chèque afin que la personne puisse s'exécuter. Parce que, magistrat, je vais vous donner un exemple clair. Il y a quelqu'un dont je suis là l'avocat. La personne a émis un chèque. Et au moment d'émettre le chèque, la personne restait un seul chèque. Et il y a eu une sorte de tremblement de terre récemment là, de 4.3. Et là où il a été, il y a eu une secousse. Il y a eu une variation des pointillés involontaires au niveau 2 de cette signature et le chèque avait été retourné. Pourquoi? C'est une mesure préventive. C'est une mesure de protection des citoyens, de la personne même qui est le propriétaire du compte. Donc, honorable, je vais être un jeu pour vous. Parce que ma chère, nous sommes en train de faire l'instruction. Donc, je comprends, ma chère. Écoutez, vous êtes au fond. Ma chère, je sais que vous allez faire une décision. On voulait faire la On voulait tout simplement vous expliquer la raison pour laquelle il n'y a pas eu de témoin. Il n'y a pas eu de témoin, magistrat, premièrement, parce que tout simplement, la personne lui-même et ses avocats. C'est la victime elle-même. Le tribunal veut que la victime n'est pas. À cette phase, le tribunal ordonne l'arrestation. Le prévenu, considérant que au correctionnel,
correctionnel, le prévenu peut se faire représenter par son avocat. Peut se faire représenter par son avocat, considérant que de bonne foi, il se met à la disposition de la justice pour toute autre audience de cette nature, notamment celle fixée par le juge au siège pour le mardi, le mercredi, pour le mercredi. Non, vous êtes